Ah!
Mais il n'y en a pas un seul là, en construction. La route de mort sur les verts et la route de mort sur les verts. Dans les bras.
Thank you.
Je suis
Si vous n'avez pas d'avion en mer, ça sert à rien d'avoir un avion. On y va, trois coups avertisseurs. Voilà. Alors, regardez bien les barrières. Ça baissait, vous allez voir les plumes. Les plumes, c'est le bout des ailes. On appelle ça les plumes. Ça monte gentiment. Alors, comme je disais, toutes les peintures sont les peintures d'origine. Toutes les voitures n'est pas grave. Venez par là, hein, vous pouvez venir par là. Hein, que... Regardez, dans peu de temps, il n'y a plus rien. Le boom soulève la trappe et on amène les munitions. Maintenant, je suis le capitaine de vaisseau, c'est-à-dire je suis le commandant à bord. Hein, 2000 personnes à bord, hein, donc. Et on va passer en mode aviation. Ce n'est plus vraiment le commandant qui dirige le navire, quoi qu'il est toujours là, mais il va se faire aider par le chef avion. Car maintenant, le pilote ne peut mettre son avion en route. Moteur. Ça y est, il est parti. Le moteur tourne. Tous les moteurs, c'est des moteurs de vibreurs de téléphone. Donc, c'est pour ça qu'ils font 4 mm de diamètre à peu près. Il prend ses tours. On attend la pression d'huile, et quand il va y avoir suffisamment de pression d'huile, on va lui dire d'ouvrir ses ailes. On ne va pas tarder. Le bruit, c'est le bruit du voile, et de ce numéro-là. Deuxième tiers aussi, toujours pas l'accélération, il a perdu l'image en couleur. Il voit, mais il voit en noir et blanc. Et quand il arrive dans le troisième tiers ici, c'est-à-dire quand il est là, alors là on dit qu'il est dans le coltard. Soit il a le voile gris, soit il a le voile noir. En un mot, soit il voit tout gris,
soit il voit tout noir, en un mot, il ne voit plus rien du tout. Et vous l'avez vu dans les films, vous voyez l'avion qui monte comme ça, puis d'un seul coup, l'avion va descendre, 5 mètres plus bas que le niveau du pont. C'est une des raisons pourquoi les ponts sont si hauts par rapport au niveau de la mer. Et quand il est prêt à toucher l'eau, en principe, il a repris ses esprits, il met sa post-commission et pssst, il s'en... Il est orange là, donc ça y est, il a allumé ses feux, lenticule, vision, il devrait pas tarder d'embrayer, on va commencer à voir le rotor, allez, ça y est, il démarre, ça y est, c'est parti, on accélère et après, on décolle. Normalement, il devrait rentrer son train, mais bon, ça dépend des jours. Hein. Bon, on va le laisser là, et il va être là pendant toute la période de catapultage. Hein. Je lève le défecteur de jet. Il y a le défecteur de jet, la vapeur arrive. Vous voyez, donc, parce qu'on lutte contre le vent. Hein. La vapeur est partie. Hein. Et là, ça y est, on est prêt. On va la faire décoller. Voilà, elle décolle. Vous voyez, même le rotor anti-coup fonctionne. Hein. Donc là aussi, toutes les peintures sont d'origine. Le moteur est à sa place comme le vrai. Hein. Donc, là, pour une maquette comme ceci, il faut entre 6 et 8 mois pour faire une maquette comme ça. Bon, il y a des turbulences parce que vous avez vu que le temps hier n'était pas fameux. Hein. Et ça, c'est un résultat du temps d'hier. Ça. Et on monte. Vous allez voir, là, on amène un super frelon. Voilà, Saint-Valentin, elle me caresse la main. Vivement la Sainte-Marguerite.